Je suis de retour pour la deuxième et dernière vidéo de ce jeudi 9 juillet 2020. C'est une vidéo conseil à tous ceux qui écoutent mes messages. Beaucoup de personnes viennent me voir ici. C'est vrai, je suis un spirituel. Quand ils viennent, beaucoup d'entre eux accusent les sorciers, c'est vrai. Mais dans mes consultations, il s'avère que souvent, ces gens-là n'ont pas un bon comportement. D'où cette vidéo. Vous-même, vous êtes souvent à l'origine de vos malheurs. Vous-même, vous êtes souvent à l'origine de vos blocages. Vous-même, vous êtes souvent à l'origine de tout ce qui vous arrive comme malheur, comme déception, comme échec dans ce que vous entreprenez. Quand vous êtes un homme ou bien quand vous êtes une femme et que vous voulez faire des choses, ou bien vous voulez vivre correctement, il faut savoir vivre. Un être humain, femme comme homme, vous devez avoir des heures pour rentrer chez vous à la maison pour vous reposer. Femme comme homme, vous devez avoir un calendrier de travail. Même si vous êtes dans le privé, là, vous avez des heures de travail. Même si vous travaillez pour vous-même, vous devez avoir des heures de travail, vous devez avoir une heure pour rentrer chez vous à la maison. Vous devez avoir des heures de repos. Mais vous êtes assis dans les débits de boissons tout le temps. Vous êtes assis dans les lieux publics pour boire. Vous vous promenez tout le temps. Vous êtes une femme, vous vous promenez, vous avez beaucoup de maris. Vous avez beaucoup de copains. Même quand vous êtes marié, il y a des femmes qui sont mariées, qui ont beaucoup de copains dehors. Là, les hommes, on n'en parle pas. Mais ce que je dois vous dire, vous devez savoir qui vous êtes. Même quand vous vendez de l'arachide au marché, même quand vous vendez des pains, même quand vous vendez des oignons, même quand vous vendez du poisson, de la tomate, vous êtes une femme entrepreneur. Vous êtes une femme d'affaires comme ça. Les affaires, ce n'est pas seulement ceux qui montent dans les avions. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Quand on dit une femme d'affaires, ce n'est pas seulement celle qui monte dans l'avion pour aller à Dubaï ou bien qui prend l'avion pour aller aux États-Unis. Non. Même quand tu vends du piment au marché et que tu encaisses de l'argent chaque jour, tu es une femme d'affaires. Même si tu es couturière, tu es une femme d'affaires. Même si tu vends de la banane braisée, tu es une femme parce que tu gagnes de l'argent en retour de tes activités. Les hommes également, quel que soit ce que vous faites, vous êtes un homme d'affaires. Vous travaillez pour vous-même. Même si vous travaillez dans la fonction publique ou bien dans une société privée, Vous êtes un homme, mettez-vous à la place d'un Dieu. Dites-vous que vous êtes important. Dites-vous que des gens vivent grâce à vous. Dites-vous que des gens espèrent, ils ont de l'espoir à cause de vous. Ne vous mettez pas dans les mauvaises pratiques. Même si vous gagnez un petit salaire, mais dites-vous que vous nourrissez des gens. Dites-vous que des gens leur vitez encore grâce à vous. Donc vous-même, prenez-vous au sérieux. Ayez des heures de travail. Ayez des heures pour rentrer chez vous, pour passer du temps avec votre femme, pour passer du temps avec vos enfants. Rangez votre vie. Ne prenez pas l'argent pour aller boire. La boisson, c'est quoi? On ne prend pas l'argent pour acheter. Parce que quand tu achètes la boisson, puis tu la bois chaque jour, tu deviens alcoolique. Et puis après, tu deviens dépressif. C'est-à-dire que tu prends ton argent pour acheter des maladies. Tu prends ton argent alors que tu as une femme à la maison, tu vas chez les prostituées. Dans n'importe quel maquis où tu passes, les serveuses, tu dois coucher avec elles. Dans ton service, partout, tu proposes de l'argent aux femmes pour coucher avec elles. C'est-à-dire que tu prends ton argent, mais ces femmes-là, elles peuvent être malades. Elles peuvent te contaminer. Et ainsi de suite, tu vas contaminer ta femme. C'est-à-dire que tu prends ton argent pour acheter le sida. Tu prends ton argent pour acheter les MST. Parce que quand tu donnes de l'argent à une prostituée, qu'est-ce que tu veux en retour? C'est le plaisir, non? Mais après le plaisir, il y a quelque chose derrière. Ce sont les maladies. Et même quand les maladies ne sont pas derrière, que les maladies ne sont pas attrapées, tu deviens quelqu'un qui pratique la débauche. Tu deviens désordonné. Tu deviens un homme sans repère. Un homme, un alcoolique. Et puis finalement, tu ne vas jamais te retrouver. C'est vrai, nous les médiums, la communauté des astrologues médiums, nous ne sommes pas une religion. C'est vrai, nous n'avons pas de totem. Mais si vous aimez l'alcool, vous achetez votre bouteille de poisson et vous buvez ça à table chez vous à la maison. Même si vous dormez dans une maison en bois, même si vous dormez dans une case, une seule pièce en bois, je vous montre ce qui va vous permettre de réussir. Vous achetez votre boisson, vous buvez ça chez vous. Ça vous rend responsable et ça vous permet de réfléchir. Ça vous permet de contrôler vous-même votre vie. Parce que quand vous ne le faites pas, ce sont ceux qui sont dehors qui vont contrôler votre vie. Et ainsi, vous allez voir que votre vie
va aller de débauche en débauche et vous allez vous écrouler. Plein de copines, plein d'amis. On ne sait même pas ce que vous faites. Dès qu'on vous paye, l'argent est fini. Même quand vous n'avez pas l'argent dans ces débits de boissons, vous allez prendre la boisson à crédit. Maintenant, je vais boire un peu. Quand on va me payer, je vais venir payer. Et vous n'avez jamais rien. Ce sont des dispositions qu'il faut respecter. C'est vrai, nous sommes des spirituels, mais il y a des dispositions pratiques, physiques, qu'il faut respecter. Moi qui vous parle, moi qui vous fais cette vidéo tout le temps, moi j'ai des heures où je rentre à la maison. Et quand je suis à la maison, qu'on m'appelle, c'est difficile de sortir. Parce que chez moi, à la maison, j'ai une femme. J'ai une femme, ma femme. Je l'aime beaucoup. Je suis attaché à elle. Elle est ma meilleure amie. Je n'ai pas d'autres amis. Si quelqu'un dit que j'ai d'autres amis, il n'a qu'à lever son pied. J'ai pas ma femme, je me confie à ma femme, elle se confie à moi. Donc, vous pouvez le faire. Si vous avez de l'admiration pour moi, si vous avez de l'estime pour moi, faites ce que je vous demande. Si vous voulez réussir, ce n'est pas compliqué. Pour réussir, il suffit de respecter un certain nombre de règles de base. Quand on refuse de respecter les règles de base, on ne réussit pas. C'est vrai, il y a les talismans, il y a tout ça. Mais je vous dis, pour éviter de vous fatiguer, ayez des programmes, ayez des heures de travail. Quand on vous paye, ou bien quand vous gagnez de l'argent, apprenez à économiser. Moi qui vous parle, je vous avez vu dans ma biographie, je suis actuellement des études à l'université. Voilà. Je fais l'économie de développement. Ce que tu gagnes là, tu mets un peu de côté. Les Bill Gates, tous ceux qui sont arrivés dans le monde entier, c'est ce qu'ils conseillent. C'est qu'on gagne, on met un peu de côté. On ne prend pas tout pour aller boire. Et puis on recommence à zéro. On ne prend pas tout pour aller chercher femme. Et puis on recommence à zéro. Si vous voulez réussir, respectez ces dispositions. Vous-même, là, vous pouvez les respecter. Et dans ce que vous économisez, vous enlevez un peu, je dis bien un peu, pour aider les parents au village. Parce que les parents au village, c'est grâce à eux que vous vivez. Pour ceux qui disent c'est Dieu, nous on n'est pas d'accord, on ne reconnaît pas tout ça. Ceux qui vous ont donné la vie, ceux qui vous ont fait que vous êtes venus au monde, ceux qui ont décidé de vous mettre au monde, ce sont vos parents. Même si ces parents ne vivent pas, vous avez vos oncles. Vous leur devez de la reconnaissance également. Envoyez-leur de temps en temps un peu d'argent. Si c'est par mois, c'est chaque deux semaines, c'est chaque deux mois, selon vos possibilités, il faut soutenir vos parents. Ils vont vous bénir. Mais quand vous êtes derrière les prostituées, quand vous êtes dans l'alcool, l'alcool de manière excessive, vous allez perdre votre vie. Vous allez perdre la raison. Et vous allez devenir un alcoolique. Vous pouvez devenir fou. Et les gens vont se moquer de vous. Et vos enfants seront délaissés. Dans la première vidéo, j'ai parlé des enfants. Vous pouvez réaliser vos projets. Mais les enfants sont les premiers projets auxquels il faut faire très attention. Et vous-même, faites attention à vous parce que ces enfants-là, ils vivent grâce à vous. Votre femme vit grâce à vous. Vos beaux-parents vivent grâce à vous. Vos parents vivent grâce à vous. Donc, ne vous négligez pas. Ne pensez pas que vous êtes n'importe qui. Vous allez partir vous coucher dans les maquis. Vous allez partir coucher dans les bars. Vous allez vous déshabiller, vous allez chanter. Respectez-vous. Donnez-vous de la valeur. Que vous soyez une femme ou un homme. Donnez-vous de la valeur. À partir de cette vidéo, vous êtes un homme important. À partir de cette vidéo, vous êtes une femme importante. Vous êtes une femme d'affaires. Vous êtes un homme d'affaires. Donnez-vous de l'importance. Le ciel et la terre vous donneront toutes les grâces de ce monde. Donnez-vous de l'importance. J'ai pris mon exemple, vous écoutez mes vidéos. Je ne suis pas quelqu'un qui est désordonné. Je sais là où je mets mes pieds. J'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai un coin où je dors et je respecte les conditions des familles. Je rentre, il y a des heures où je rentre, il y a des heures que je passe avec ma femme, mes enfants sont là, je sais qui est malade. Tout ça, il faut regarder parce que demain, quand on sera vieux, qu'on ne pourra pas marcher, ce sont ces enfants-là qui seront nos dents. Les dents que nous allons prendre pour manger demain, ce sont ces enfants-là. Mettez du sérieux, rangez votre vie. C'est un conseil. Il n'y a rien dans la femme. Il n'y a rien dans la boisson. Il n'y a rien dans la drogue. Il n'y a rien dans tout ce que vous voyez dans la rue. Dans la rue, là, c'est doux. C'est doux d'aller chanter, tout ça. Mais il n'y a rien dedans. Alors, je vais vous conseiller un talisman de protection contre tous ces effets négatifs-là. Quand vous n'arrivez pas à le faire vous-même, venez me voir. On va vous conseiller le puissant et célèbre talisman des 20 carrés magiques. On va le confectionner selon les domaines que je viens d'expliquer là, pour que vous puissiez éviter tout ce comportement. C'est vrai, il y a le phénomène des mains percées, mais il y a des gens eux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui font que leur argent s'en va. Tu as beaucoup de copines toi seul, parce que tu as un petit salaire. Même quand tu as un gros salaire, le salaire c'est pour tes enfants, c'est pour ta femme. Ce n'est pas pour donner ça au dehors. Si toi la femme, tu travailles, tu as un salaire, c'est pour ton mari, c'est pour ta famille.
Faites très attention. Vous voyez, nous les médiums, nous sommes basés sur la famille. Alors ce talisman 20 carrés magiques qui va vous aider à vous ranger, à devenir un homme exemplaire, à devenir une femme exemplaire au prix promotionnel de 25 000 francs CFA, un prix évolutif. Maître Salomon, mon numéro WhatsApp, c'est le 00225 09 90 58 13. C'est mon numéro WhatsApp direct, je suis en Côte d'Ivoire. Partagez massivement cette vidéo. Et pour tous ceux qui veulent me contacter aussi, j'ai le numéro, j'ai mon MTN Money, qui est le 00225 54 99 59 92. Partagez cette vidéo et prenez au sérieux votre famille, prenez au sérieux votre femme, prenez au sérieux vos enfants. Ayez des heures pour rentrer chez vous, ayez des heures pour vous reposer. Si vous aimez boire la boisson, achetez la boisson au supermarché ou bien dans une cave, amenez cette boisson à la maison pour boire avec madame. Même si vous n'êtes pas marié, vous pouvez boire vous seul. Quand vous vous habituez au débit des boissons, au lieu public, vous êtes en train de détruire votre vie. Chez nous, les médiums ne sont pas une religion pour vous donner des totems. Mais ce que je vous dis, c'est des dispositions qu'il faut prendre pour pouvoir réussir. Ce sont des dispositions de base. Ce sont des dispositions spirituelles parce que dans les lieux publics, dans les débuts des bosses, dans les maquis, on récolte dans ces lieux-là beaucoup d'esprits négatifs. Mamie Wata, beaucoup, mari de nuit, femme de nuit, et puis finalement, on ne se retrouve pas. Je vous ai dit dans une vidéo, ces esprits qui quittent les eaux, qui quittent les forêts, viennent, n'est-ce pas, dans ces lieux publics pour attendre les hommes, pour attendre les femmes qui vont venir, et ça les possède. Et après, vous n'allez plus jamais vous retrouver. Mère Salomon, je vous aime. Je suis toujours heureux de vous faire des vidéos. Voilà, je suis heureux de vous faire des vidéos et ça fait plaisir. Merci à tout le monde. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas, si vous êtes si c'est difficile pour vous de vous en sortir, de ranger votre vie, le puissant et célèbre talisman des 20 carrés magiques va résoudre le problème à 25 000 francs évolutifs selon le cas de chaque famille. Merci. Bye, au revoir. Salut tout le monde. À demain, vendredi, pour d'autres vidéos. Bye, au revoir.